Bonjour, une balade dans l'art brut. L'art brut, qu'est-ce que c'est? J'ai retrouvé une définition qui date de 1946, elle est signée Jean Dubuffet. Alors l'art brut, ce sont des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique dans lesquelles le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, a peu ou n'a pas de place. Trois reportages pendant cette émission pour vous montrer ce qu'est à peu près un peu, beaucoup ou pas du tout, de l'art brut. Première balade du côté de Saint-Amand-les-Eaux. Nous allons aller exactement à Lecelles, à la rencontre de Patrick Lesage. Depuis 7-8 ans, ce bûcheron travaille le bois. C'est artistique, c'est décoratif. Est-ce que c'est de l'art brut? Nous poserons la question juste après ce reportage. Il est signé Yves Mourglia. En faisant un concours, j'ai découvert que je pouvais faire de la sculpture. J'ai jamais fait d'études dans ce domaine-là, en fait. Hein. C'est venu comme ça. Hein. Je pense que quand on a le volume dans la tête, on s'en sort, on peut s'en sortir. Quoi. Je choisis les animaux parce que je suis attiré vraiment par la nature. Hein, et je pense que c'est le plus représentatif pour moi de faire un sujet qui donne la vie, quoi. Personnellement, je marche à l'instinct, c'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire quelque chose, j'attends pas que ce soit passé, en fait. Parce que pour réaliser une pièce, eh ben, il faut le faire quand on en a vraiment envie. Hein, il ne faut pas attendre, il ne faut pas se dire oh « ben mince, je vais y arriver, je ne vais pas y arriver ». Il faut le faire, c'est tout. Maintenant, c'est à moi à me faire connaître. Parce que, disons que, bon, ça fait à peu près 7-8 ans que je fais ça, mais maintenant, je m'y intéresse vraiment. Hein, tandis qu'avant, c'était de temps en temps, quoi. Je pense que ma passion est un art. Pour dégrossir la pièce, je me sers d'une tronçonneuse d'abattage, en fait. Hein. Après, pour me rapprocher le plus possible de ce que je veux obtenir, c'est une tronçonneuse comme si on peut faire des stères avec. Hein. Et sinon, j'ai une troisième tronçonneuse qui, elle, me sert pour élaguer dans mon travail. Et je l'utilise pour finir vraiment les sculptures, quoi. C'est quelque chose quand même qui est assez spécial parce que la sculpture, ça plaît à un certain nombre de gens. Et vivre de ça, il faudrait que je sois connu plus que ça, quoi, en fait. Je dis pas que mes œuvres n'ont pas de place dans un musée, mais ça serait quand même prétentieux. J'ai envie de réaliser un éléphant qui fait à peu près 2,40 m d'auteur. Bon, pour l'instant, bon là, j'ai le tronc, mais je vais le faire ramener pour... dès qu'il est là, je l'attaque.
Alors Patrice Lesage, donc, que vous avez rencontré donc, pendant ce reportage, Michel Cabal, cet artiste, cet artisan, vous me dites quoi? C'est un créateur, donc il entre tout à fait dans la définition que Dubuffet a donnée de l'art brut, dans la mesure où il n'a aucune formation artistique, il a insisté, et dans la mesure où il utilise au fond son temps libre pour réaliser un objet, et il trouve plaisir à cette réalisation. Le côté décoratif, le côté faire un bel objet qui soit apprécié des autres, est-ce que c'est un critère qui ne le mettrait pas du côté artisan, éventuellement, décorateur, Mais il attend tout de même le regard d'autrui. Hein, il le réclame même. Il a déjà le souci d'une certaine notoriété. Alors vous, le souci de la reconnaissance. Vous êtes amateur d'art brut, médecin, psychiatre. Oui. On a parfois dit l'art naïf ou l'art des fous. Oui. Alors bon, il y a le terme générique d'art brut hein, qu'on peut un petit peu systématiser. D'un côté, vous aurez l'art des fous au sens large du terme, alors que cette appellation est aujourd'hui bien sûr très critiquable. On aurait d'ailleurs, dans ce chapitre-là, à débattre sur l'art des malades mentaux et l'art des artistes qui sont tombés malades et qui ont continué à produire, et on entrerait dans ce débat de génie et folie. Donc voilà pour l'art des malades mentaux. Il y a l'art des médiums, et puis également la catégorie des artistes, des créateurs, qui créent, qui organisent un lieu de vie, une maison, un jardin, et c'est ce qu'on appelle les habitants paysagistes. Alors Pierre Desnaux, vous êtes professeur de lettres, amateur d'art brut, vous avez travaillé sur l'art pendant l'exposition au Musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Cette différence artiste-artisan? Oui, évidemment, si on remonte à l'étymologie, il ne devrait pas y avoir de différence, hein, parce que le même mot « ars » désignait à la fois la technique et ce que nous appelons « art ». Mais enfin, ici, en l'occurrence, avec Patrice Lesage, il faut insister, je crois, sur l'aspect artisan. Je crois que c'est un bon artisan. Et bien que ce soit un autodidacte, pour ma part, je ne le placerai pas dans une catégorie comme l'art brut. Pourquoi? Parce que, justement, Patrice Lesage a trop le souci de montrer son travail. Le regard de l'autre, il pour lui, est important. Il recherche le regard d'autrui, et plus que le regard d'autrui, la reconnaissance publique. Et à ce moment-là, il rentre dans ce que Dubuffet condamnait, justement, dans la définition que vous avez citée, à savoir le circuit culturel, avec tout ce que cela implique. De désir, de se faire valoir, voire de mimétisme. Il évoque aussi l'argent. Alors, si je pouvais en vivre, oui, l'artiste, oui, ce qui fait de l'art brut, n'a pas envie de vivre de son art. Et dès lors, oui, on touche un point fondamental. Et je voulais ajouter encore ceci à propos d'une définition possible de Lesage. Il a déjà son sujet à l'esprit lorsqu'il commence à travailler. Or, je crois que l'artiste authentique, brut ou non d'ailleurs, va à la recherche de son sujet. Il n'y a pas de modèle, même s'il s'inspire, je ne sais pas, lorsqu'un peintre s'inspire d'une nature morte, etc., il va à la recherche. Lui, j'ai l'impression que ce n'est pas son chemin. Alors, revenons à l'art brut. Je pense que vous avez une définition très puriste. À savoir, un, l'art est spontané, hein, et deux, il n'entre pas dans un circuit commercial. Hein, il n'est pas. Mais il aimerait. Il aimerait. Alors lui, il aimerait. Mais je pense aussi que la reconnaissance est celle, naturellement, du spectateur, mais le spectateur a lui-même une propre définition, des propres choix qui rentrent en ligne de cadre. Donc, je suis très puriste sur la définition de l'art brut, j'irai jusqu'à le refuser. Voilà, c'est tout. Alors, c'est une question de définition. Hein, ça ne retire rien l'estime que je peux avoir pour un travail de ce genre, bien entendu. Alors, revenons un peu à l'art brut, à l'art des fous. Vous, en tant que médecin psychiatre, est-ce que vous rencontriez, il y a quelques années, des artistes qui faisaient de l'art brut? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez encore dans les services d'hôpitaux qui s'ouvrent de plus en plus? Oui, alors, donc, les personnes qui sont hospitalisées sont engagées dans toutes sortes d'activités, hein, participent à des ateliers, et il peut y avoir des ateliers artistiques. Hein.
Mais il peut y avoir aussi des malades qui spontanément produisent de la sculpture, de la peinture, du dessin. Et en face, vous avez le regard du médecin, de l'infirmier. Et de ça va parfois naître un créateur, un artiste brut. Alors vous, est-ce que vous reconnaissez un objet créé par un malade mental comme étant beau, esthétiquement intéressant? Est-ce que c'est un objet qui l'a aidé à se comprendre, à s'exprimer, à se soigner? Est-ce que c'est un médicament? Alors, je parle de la production de l'artiste, mais si la production est véritablement brute, il n'y a pas d'intervention de l'environnement, donc par définition, ce n'est pas thérapeutique. Mais effectivement, on peut utiliser l'art comme une thérapeutique. Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans ces œuvres faites par des artistes qui, eux, sont reconnus comme étant des artistes dits bruts? Alors, écoutez, le médecin que je suis reçoit le message, puisque nous travaillons sur la communication, donc nous recevons le message. Et effectivement, on aura tendance à porter un sens à la production de chacun des patients. Est-ce que cette définition que j'ai donnée du Buffet, née en 1946, est-ce qu'il y a 200 ans, il y avait des artistes bruts qui n'ont jamais été connus ni reconnus parce que leur production est passée à la poubelle? Est-ce que c'est un phénomène récent? Je crois qu'il y a toujours eu le regard d'une société sur des originaux, des gens qui étaient insolites, et également des fous. C'est absolument pas neuf. On peut donner comme exemple celui d'un artiste du XVIIe siècle qui s'appelle Focus, et dont on a découvert qu'il est passé, lui, aux oubliettes de l'histoire, après être passé aux oubliettes de l'académie dont il était membre, et dont on vient retrouver le fond de dessin dans une bibliothèque, et qui est une production tout à fait caractéristique d'un malade mental. Si on ne savait pas qu'il s'agissait de Focus, on dirait que c'est la production d'un malade. Les surréalistes ont aussi un petit peu travaillé sur tout cet art brut. C'est eux qui l'ont finalement mis en valeur. Alors, les surréalistes avaient une connivence très étroite avec les médecins aliénistes, comme on disait à l'époque. Et c'est probablement donc, les psychiatres de l'entre-deux-guerres qui ont attiré le regard des artistes, dont les surréalistes, sur les productions qui venaient des hôpitaux psychiatriques. Et en particulier, on peut en citer le tout premier, qui est Prinzhorn, qui a sorti l'expression de la folie, qui est le premier en sens ouvrage princeps de recherche, mais d'autres recherches naturellement plus minimes et multiples avaient été engagées antérieurement. Il ne s'agit pas ici de donner le nom, de trouver le premier regard sur un artiste brut et regard précisé par un psychiatre. Mais c'est ce livre-là et les expositions que Prinzhorn avait réalisées et qui ont circulé en Europe qui ont été appréciées par les artistes surréalistes, et c'est comme ça qu'eux-mêmes ont modifié leur travail. C'est arrivé à un moment tout à fait favorable d'évolution de la société pour que les surréalistes accompagnent les médecins pour sortir, entre guillemets, ce qui deviendra, dans l'après-guerre, l'art brut. Pierre Desnaux. Oui, je voulais simplement apporter une toute petite précision, c'est que Breton a reçu une formation psychiatrique, oui, alors qu'il était tout jeune durant la guerre 14-18. Et c'est comme cela d'ailleurs qu'il s'est initié notamment à la psychanalyse. Et un des tout premiers poèmes de Breton est justement un essai de simulation de délire. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et par la suite, avant même qu'il ait pu prendre connaissance de tel ou tel ouvrage spécialisé, il y a eu la rencontre avec Nadja, folle et internée même dans la région de Lille par la suite. Et Nadja écrivait et surtout dessinait dans le livre, il y a des reproductions de dessins. Et donc il a eu une relation, j'allais dire, directe, intime même, avec les malades mentaux. Ce n'était pas du tout, chez lui, théorique. Hein. Je dirais aussi que parmi les psychiatres, ceux qui se sont intéressés à l'art des malades étaient eux-mêmes plus ou moins artistes, et avaient une culture tout à fait prodigieuse. Donc c'est une notion de référence. Oui. Donald Prinzhorn, oui, c'est voilà. Il était historien d'art.
Oui, oui. Bon. Et le fait qu'il reconnaisse ou qu'il ne reconnaisse pas de référence lui faisait apercevoir les objets, les dessins, comme étant remarquables. Oui, je crois que c'est ça aussi. Hein. C'est la, on dit, un artiste brut, il est là, mais il faut la conjonction du créateur, du public, et il faut qu'il y ait un médiateur. Pierre Desnaux. Non, je voulais simplement dire qu'il y a une relation entre cette découverte de l'art brut, quel que soit l'adjectif, peu importe, et l'évolution des avant-gardes. Alors, c'est indispensable. Et dans le cas de Spinson, il était par exemple l'ami des expressionnistes. Oui, tout à fait caractéristique. Et alors, par la suite, surréalisme, art brut, etc. Donc, un artiste brut ne naît jamais par hasard. Alors, on a observé donc que Patrice Lesage, vous n'estimiez pas qu'il était un artiste dit brut. Rendez-vous du maintenant avec, il s'appelle Paul Waguet, ou Paul Waguet, direction Cambrai. Il est à Vendegy au Bois, et son premier outil d'artiste, c'est le pendule. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Un pendule. Et alors ? Ça va me permettre de connaître la polarité, le sens de polarité de la pierre. Alors je prends l'extrême. Donc je suis positif. Si je m'éloigne à l'autre extrême, négatif. Ce qui prouve que la pierre est polarisée. Tout comme l'être humain. Ah, on peut parler de bien-être, de santé, etc. Oui, mais là, on rentre dans le domaine de la radiesthésie. Bon, je peux regarder le plus de Thomas. Voilà. Et dire qu'il est en pleine forme. C'est en me promenant dans les villages avoisinants. Je faisais la découverte un peu du coin. Et un jour, j'ai découvert un tas de pierres qui provenaient d'une école, une école maternelle qui avait été démontée. Et ces pierres, apparemment, elles ne servaient pas à grand-chose. Elles étaient là, dispersées sur un terrain. Ça m'a donné subitement envie de récupérer ces pierres. Je suis allé voir le propriétaire, qui était bien content de pouvoir s'en débarrasser. Et en même temps, moi, ça m'arrangeait. J'ai récupéré ces pierres sans arrière-pensée, sans idée. Et un beau jour, un mois après environ, j'ai pris un bloc et j'ai commencé à tailler. Et ça a été ma première tête, la tête d'un Gaulois. Ces images viennent la nuit dans mes deux heures d'insomnie. Il s'agit de gens qui avancent, qui défilent, qui se suivent. Des gens qui ont l'air de revendiquer. Des gens très en colère parfois, comme là. C'est une partie des personnages qui défilent. Mais alors Paul, pourquoi avoir mis les visages dans le lierre ? C'est le lierre qui est venu sur les visages. Et pourquoi vous les laissez enfouis comme ça ? Bon, ça donne un plus. Mais à chaque printemps, je retaille mon lierre. Oh, j'allais encore à l'école maternelle à l'époque, à Malo. Et la nuit, Malo, enfin la région d'Aquercoise était bombardée. Et le matin, en partant de l'école, on comptait les maisons qui avaient été bombardées pendant la nuit. C'était les décombres, les ruines. Rasées. Dunkerque était rasé. Malo en grande partie. Rosendal aussi.
toute la côte, quoi. Qu'est-ce que la mort? C'est une autre vie, une autre forme. On a chacun sa propre... Enfin, ça, c'est une théorie personnelle. On a chacun sa propre fréquence. Et après la vie, cette fréquence rejoint probablement... un ensemble, nous sommes tous des réincarnés, génétiquement. Si on prend l'arbre généalogique de chaque individu, on est tous réincarnés. J'avais un désir d'enfermer toutes les pierres dans cette crypte et de la murer. Et peut-être qu'un jour je le ferai. J'enfermerai tout. Et votre mère? Ben, je n'ai pas de nouvelles. C'était presque de l'abandon d'enfant. Je l'ai reçu comme ça. Hein. On était pratiquement livrés à nous-mêmes. Donc on a été récupérés par les grands-parents. Oui, je l'ai écrit. Et bien écrit d'ailleurs. Alors arrêtez de bander avec les couilles des autres. Ou alors montrer votre propre érection. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui donnent toujours des bons conseils et qui ne font rien. Alors, un reportage signé de Guillaume Cliquenois. Alors, Michel Cabal, ici, il y a le regard des autres absent, il n'y a pas de rapport d'argent, une forte présence médiumnique et peut-être de la mort également. Mmh. On est peut-être plus dans l'art brut. Oui, je crois que ce reportage satisfait plus un amateur ou un spécialiste de l'art brut. Parce que ce créateur... Paul Voisier. Puisqu'il ne se revendique pas comme artiste. Il dit simplement « j'ai des choses à dire pour moi-même ». Et on sent qu'il veut en quelque sorte prolonger sa vie, conjurer. Hein. Donc la mort est très présente. Il y a une authenticité, je crois qu'on peut le dire, qui est plus forte que ce que lors du premier reportage. L'œuvre peut-être compte plus pour le créateur dans ce second reportage que pour le premier. C'est vraiment pour lui, et ça c'est une des caractéristiques très, très restrictives de l'art brut, à savoir que le personnage, l'individu, crée pour lui, avec toute sa force, toute son émotion, toute sa sensibilité. Vous qui êtes psychiatre et médecin, et peut-être un peu psychanalyste, je ne sais pas, comment vous décodez cette phrase qu'il nous a lue à propos de l'érection ? Et je disais tout à l'heure, pendant que nous regardions ce reportage, qu'on pourrait aussi faire des statistiques et que les artistes bruts, enfin les créateurs deviennent des artistes bruts, généralement autour de 50, 60 ans. Enfin, il y a toutes les images de
retraite, de désinvestissement, d'involution. Et puis effectivement, bon, je ne vais pas aller plus loin, vous m'avez compris. Mmh. Et donc on sent bien qu'il y a le transfert vers un autre, vers une autre type d'activité, à faire renaître, et sur un autre mode, et pour lui-même, pour sa propre satisfaction, et je crois qu'on peut le dire aussi, pour son propre plaisir. Alors Arnaud Seglerski, vous êtes historien d'art, responsable du service éducatif et culturel du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq. Tout ce qu'on a dit sur la définition de l'art brut depuis tout à l'heure, vous y collez complètement ? Ah oui, nous au musée nous y collons effectivement, et je crois qu'on voit bien avec ces deux reportages comment on pourrait définir l'art brut, parce qu'effectivement l'art brut pose un problème de définition, puisqu'on a affaire à un certain nombre donc, de créateurs ou d'artistes, mais qui sont avant tout des individualités, et qui sont dans une espèce de logique et de nécessité à créer, et de nécessité à produire. Et effectivement, ils sont portés par une envie, où il y a une certaine profondeur dans cet acte de création, qui, c'est ce qu'on a pu nous percevoir en faisant cette exposition l'année dernière, qui est en latence pendant pas mal de temps, et à un moment donné, ressurgit. Alors, donc, vous évoquez l'exposition dite de la Racine. Alors, elle a eu lieu l'an passé, 3000 œuvres présentées, 160 artistes différents, un peu moins. Mais n'empêche, un énorme succès populaire, 70 000 visiteurs. Je pense que vous avez battu quasiment tous les records. Et une exposition prolongée. L'exposition a été prolongée. Donc, on n'a pas battu tous les records, puisqu'on avait battu les records avec l'exposition qui était consacrée à Dubuffet. Donc, on voit justement qu'il y a une espèce de climat et d'attente par rapport au public. Et effectivement, ça correspond aussi. Alors, on ne sait pas l'expliquer effectivement pourquoi il y a cet intérêt-là pour ces individualités. Mais effectivement, il y a cette notion de spontanéité qu'il faudrait. On pourrait en reparler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette collection La Racine? Comment autant d'œuvres appartiennent comme ça à des découvreurs, à des inventeurs qui peuvent ensuite faire entrer ces œuvres au musée? Oui, alors, bon. En fait, La Racine, c'est une association qui s'est créée en 1982 et qui est le fait de trois créateurs d'art brut, hein, donc Madeleine Lommel, Claire Teller et Michel Nedjar, et qui ont voulu commencer à constituer une collection d'œuvres historiques, puisque effectivement, nous, c'était aussi notre intérêt par rapport au musée, c'était de montrer que l'art brut est dans une espèce d'historicité. Hein, c'est Pierre Desnaux qui le soulignait, Michel Cabal aussi, par rapport aux avant-gardes. Donc, ils ont voulu constituer une collection d'œuvres historiques et avec des critères effectivement très radicaux par rapport à cette définition d'art brut.